Coucou les petits loups, j'espère que tout va bien chez vous. Alors, pour commencer, nous sommes samedi, je suis allée ce matin, je suis levée depuis 6h comme d'habitude, à Berck, parce que là je suis en vacances à Stella-Plage, à côté du Touquet, donc je suis allée faire un tour à Berck, et il y a un Noz à Berck évidemment, c'était pour ça. Donc je suis allée faire un petit tour chez Noz. Avant de commencer, j'ai mis, alors avec le legging de sport, la grande classe, mais j'ai mis une petite chemise que j'ai trouvée en brocante il y a un petit moment. On dirait une Marie Astrid ou une Marie Clitandre. Je fais classe, hein. Ça va bien, en tout cas. Donc, je l'ai eu sur une brocante 1€ ou 50 centimes. Les petites, pareil, 1 ou 2 euros sur AliExpress. Quoi d'autre? Les bracelets. Bon, il y en a... Je crois que celui-ci vient de chez Noz. Et puis... Ah oui, ça, c'est Elena, Beautica Elena. Elle a une page Instagram et elle vend sur Facebook. On avait fait un partenariat. Ça doit être, je sais pas, AliExpress aussi, je pense. Brocante et AliExpress. Voilà. J'ai tout fait, j'ai tout dit. C'est parti pour Noz. J'en ai eu pour 16€. Qui dit mieux? 99 centimes. J'avais besoin d'une crème pour les pieds parce que j'ai les pieds hyper secs. Mais en fait, c'est con parce que je suis en tong depuis 2 mois et le truc c'est que j'hydrate tout mon corps sauf ça, donc c'est bien intelligent. Donc c'est pour les pieds secs, c'est hydratant et rafraîchissant. Ah, alors ça va peut-être avoir une petite odeur de... Oh, puis en plus c'est jaune et jaune, ouais. C'était pas prévu, mais ça va avoir peut-être une petite odeur de menthe. Bon, hop, on va voir ça parce que rafraîchissant des fois ça fait un peu mentholé. Ça m'a l'air de venir de... ça c'est grec, non? Marjo, ma copine Marjo. Oh, 98,9% d'origine naturelle. C'est bio. Ah ouais, d'accord, ça sent un petit peu... Ça sent bon, n'empêche. Ça a l'huile d'olive ou quelque chose comme ça. Ouais, olive. Ouais, oui, d'accord, c'est ça. Mon Olympe. Oui, d'accord, bon, voilà. En tout cas, ça m'a... Oui, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah oui, 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 Organic Greek Olive Oil. Bah oui. Huile d'olive grecque bio. Voilà. Ok, bah oui, si je lisais, ça irait mieux. 1,99€, j'ai pris ça pour mon chéri. Les grosses, la bouteille de... Je sais quoi, il y a 1 litre là-dedans, non? Sans déconner, ouais. Presque, presque. Heinz, sauce moutarde, goût barbecue, un truc comme ça. Donc, très bien. On essaiera. On aime bien les sauces de chez Noz. En plus, 1,99€. J'ai repris ça la dernière fois, vous l'avez vu dans mon haul. C'était un thé un peu piquant, spicy chai, 99 centimes, j'ai adoré. Alors je vous le montre, c'est la marque Pickwick. Et en fait, donc tu vois à l'intérieur c'est comme ça, j'ai trouvé ça vraiment mignon. Je crois qu'en Angleterre ils sont en vente ces trucs-là. Je crois que à Danemark ils mettent. Ouais, BE, ah non, pardon, j'y déconne. Ah non, Netherlands, ok, bah c'est hollandais donc. Mais je pense qu'ils l'ont en Angleterre dans les Sainsbury's. Où... Regarde, tu vois, c'est les petits, vraiment... Les petits sachets un petit peu en organza, en gaz, quoi. GAZE, à chaque fois. Ça sent trop bon, c'est les épices là. Le matin, je fais un grand bol et j'en mets 2. J'adore. J'ai pris, c'était 80 centimes. Je l'ai vu à la fin, c'était à la... J'allais dire à la poste. J'allais dire à la poste que je suis en jaune, non, je sais pas. À la caisse, c'est de l'avoine. Alors, attends, comment elle est? Flocon d'avoine, ça, j'aime bien. Le matin, tu mets ça... Ah, j'aurais dû prendre du lait. Ben oui, j'aurais dû prendre du lait. En plus, il y avait du lait d'avoine et du lait d'amande et du lait de... Ah oui, d'accord, c'est directement dans le truc comme ça. D'accord, c'est pas dans un... Voilà, bon, très bien. Très bien, parfait. J'adore ça. Même si ça n'a pas vraiment de goût, mais tu peux rajouter un petit peu de sucre de canne, tu peux rajouter un peu de... du sirop d'érable, des choses comme ça. Ça, c'est pour Sweetie à 39 centimes. C'est une petite barquette pâtée de chien au bœuf. Donc, j'espère que c'est bon. Hein, ce sera pour toi, ma doudou. J'ai repris mes petites galettes. Il y a beaucoup de bouffe. Hein. En ce moment, 96 centimes. En ce moment, j'essaie de pas trop acheter de trucs superflus. J'essaye, je dis bien j'essaye. Parce qu'on part en Angleterre mardi. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit 20 fois, j'ai eu plein de frais sur ma voiture. Donc, voilà. 59 centimes des dattes, mais avec noyau cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. J'aime bien pour le petit déj, ça. Ou quand en fait, à 10h, tu sais. Pour ma mère, là, justement, dans l'appart des vacances, comme vous voyez, tout est beige.
J'ai trouvé des petits, je les ai trouvés fort mignons. Mais tu sais que ma mère, elle est fan de Torchon. Ouais. Donc 99 centimes, voilà. Bien sûr, ce sera mieux comme ça. Il est vraiment, j'aime bien les petites couleurs un peu pastel comme ça. Voilà, 99 centimes. C'est un petit peu rêche, comme dirait ma mère. C'est rêche, mais elle va les laver. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment mignon aussi, 99 centimes. Voilà. Surtout celui-là, en fait. J'ai trouvé vraiment mignon. Il y avait des petites tasses Disney à 3,50 pour les 4 tasses à l'effigie de Yaa, Panpan, Marie et tout ça. C'était dans un lot, mais bon, j'en ai plein des mugs. Je les avais dans la main, je me suis dit, Caro, non! J'ai repris, alors ça je suis hyper contente. Alors là, hyper contente, parce que je viens de finir, à 1,49 en plus, je viens de finir le... Enfin, je suis en train de racler le fond. J'en avais eu un en Angleterre, une crème pour le visage, indice 50+. Et je le mets en dessous de... Je mets ma base, non. Je mets mon fluide là, que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, j'aime pas du tout, avec une petite pipette là, un truc au collagène, j'aime pas du tout. Ça plâtre la peau, j'aime pas. Et je mets ça comme une crème de jour en fait. Et j'essaie d'en mettre quasiment tous les jours maintenant. Je me dis même l'hiver, j'ai. Donc faut que je me fasse un stock parce que ça, t'en trouves pas toujours. Donc là, je suis hyper contente. Fluide solaire, SPF 50+, très haute protection, 0% parfum, 0% parabène. Donc je m'en servirai pour le visage. Et je suis contente parce que là, on part. On est au bord de la mer et puis on va à Brighton. Donc je me dis. Puis voilà, j'ai la peau tellement fragile. Attends, je remets ma bretelle de soutif. Ça sert à rien de le faire discretos, tu vas le voir. Donc ouais, j'en avais eu un dans le Boots, je crois. Superdrug en Angleterre, une crème pour le visage. Elle est top. Ensuite, bon, j'étais obligée parce qu'en ce moment, je suis en mode... Elle est belle, hein? 50 centimes. Oh, je me suis dit, allez, j'adore avoir... J'ai quasiment toujours un truc sur la tête. Hein. Donc ouais, 50 centimes. Lulut. Et alors là, 99 centimes, c'est pour enfants, hein, tu me diras. Mais bon, je me suis dit, Caro, prends-la. Taille 56, j'ai même pas essayé. Ouais, non, ça va. Ouf! Je croyais qu'il n'y avait pas de taille, moi. Garde. Et ça va presque avec... Bon, pas trop avec le style, je sais pas, ça fait un peu chelou. Mais ouais, j'étais obligée de la prendre. J'étais obligée de la prendre. Moi, je le mettrais. Hein. Oh ouais. Ah, je la mettrai. Mais toujours le quand c'est là et là quand c'est le. Bon, bref. Et alors, la dernière article, le dernier, tu vois. La dernière chose, le dernier article, c'est une paire de petites mules. Oh putain! Pardon. Non, mais j'avais pas vu. Putain, 40 balles. Ok, d'accord, t'es même pas en cuir, d'accord. Ouais, bon, bah moi j'ai vu à 3,99. Oh la vache, je suis doublement contente. Il n'y avait qu'une seule paire. Donc c'était du 39. J'ai quand même essayé et ça va. Mais bon, voilà, mes chaussures. Mais ça va galocher un peu, je pense. Non, ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller. C'était assez fin ici. Et la marque, c'est Blanco. Ouais, Blanco. Tu vois, le talon, il est sympa. Il est travaillé. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère. C'était vraiment. En plus, des noirs avec des strass. Je me dis, bon, c'est pas mal. Parce que là, en plus. J'en ai des claquettes, j'en ai plein des claquettes. Mais là, je mets toujours un peu les mêmes et je suis en train d'en déglinguer quelques paires. Donc, bah là, depuis, de toute façon, depuis qu'il refait beau, peut-être même, voilà, même chez moi, à la maison, même avec des chaussettes, je mets toujours des claquettes, quoi. Je suis tout le temps en claquettes, tout le temps, tout le temps. Bon, là, je reviens de marcher, donc j'ai laissé mes... D'ailleurs, très bien, hein, très confort. Hein, les Reebok classiques, très confort. Ça va vachement, hein. Le style du bas et le style du haut, ça va vachement ensemble. Bon, bah, j'espère que ce petit haul news vous aura plu, les filles. Demain, il y a Brocante en plus à 5 minutes d'ici, donc je suis trop contente. Il y en a 3 dans le coin, bon, je vais en faire qu'une parce que je vais quand même faire un peu gaffe, je vais prendre un petit budget. Mais voilà, je me dis que, en plus, les Brocantes, j'adore. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Là, je pense qu'aujourd'hui, petite balade. Je peux pas vous faire une journée avec moi ou une journée dans mon assiette parce que mon PC a rendu l'âme. Donc, je ne peux plus faire de montage, les filles. Donc, essayez. Je vous mets d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Mon Instagram, je vous le mets en barre d'infos. Comme ça, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, bah, je vous mets un peu ce que je fais toute la journée. Donc, bon, je suis désolée parce que ce sera pas en vidéo. Et dès que je peux, enfin de toute façon il va falloir que j'investisse dans un ordi. Oh. Mais bon, en tout cas suivez-moi sur Insta, je vous mets mon Insta en barre d'infos. Et si j'oublie, je vous mettrai un petit commentaire épinglé tout en haut dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À demain pour la brocante.